Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 19. Chérie nous a fait un feu parce que là on va profiter comme on est dimanche de rester à la maison. D'ailleurs j'ai mis mon uniforme du dimanche on va dire. Et puis on va s'occuper principalement de faire nos préparatifs parce qu'on part demain matin. Donc il faut que je prépare valise, bon par 3 jours, on ne va pas non plus partir pour une semaine. Hein. Mais ne rien oublier, les produits, les nécessaires de toilette, enfin bref, quand on part pour 3 jours. Et puis je vais ouvrir mes calendriers bien évidemment. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est refaire mes ongles parce que ça a poussé. Alors est-ce que j'aurai le temps de refaire mes ongles et de faire mes ongles de Noël, je sais pas, mais au moins refaire mes ongles. Ça, ce serait une bonne chose de fait. Mais déjà, café, parce que j'ai passé une nuit épouvantable. J'ai dû m'endormir à 2h du matin. Et puis, chéri était malade, donc forcément, il s'est levé plusieurs fois dans la nuit. Donc forcément, il m'a réveillé, le pauvre. Donc aujourd'hui, ça va être piano. Hein. Bon, on n'a rien de particulier à faire. Ce midi, on va faire du saumon avec du riz, enfin, un truc simple, rapide et efficace. Voilà, donc je prends mon petit café et on se retrouve pour l'ouverture des calendriers. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a dans le calendrier de l'avant-bijou. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, j'aurai ma bague? Non, je plaisante. Je l'ai eue hier, ma bague, c'est celle-ci. Je l'ai eue hier, mais va savoir. Imagine, dans ceux qui restent, il me reste encore une, deux, trois bagues, on ne sait jamais. Regardez, c'est une petite, la 19 en plus, le même format que celle d'hier. Donc j'ai peut-être une chance d'avoir encore une bague. Ce serait un comble, mais pourquoi pas? On a le droit de rêver, c'est Noël. Alors, case numéro 19. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a qu'un truc par contre. Oh, mais c'est pas une bague. Ça doit être un truc qu'on accroche à l'oreille. Ben non, il a une boucle d'oreille. Qu'est-ce que je raconte? Une. Donc il y en a deux encore. Encore une boucle d'oreille. Et je vais me racheter des oreilles supplémentaires. C'est pas possible, quoi. Allez, où l'autre? Tu prêteras les tiennes. elles sont jolies. Elles sont jolies. C'est un peu ce que j'ai, mais en or, moi, bien évidemment. C'est des tout petits clous. Il y a trop de choses en arrière-plan, mais elles sont jolies. Elles sont très, très fines, très petites. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand elles sont toutes en finesse, comme ça. C'est vraiment très, très joli. Moi, je vais les garder, parce que je pense que je vais les mettre aujourd'hui. Bon, pas de bague, mais encore des boucles d'oreilles. Là, ceux qui aiment les boucles d'oreilles, ils ont été gâtés avec ce calendrier. Hein. Allez, 19. Demain, c'est 20. C'est une grande boîte, demain. Donc il me reste 22 là, d'accord, cherchez le 22. Voilà, ça c'est fait. Maintenant le calendrier bougie. Donc on a dit 19. 19 est ici et c'est une grande case encore. Cool. Alors, demain, je pourrais encore ouvrir mes calendriers, mais comme on prend la route demain matin, ce que je ferai, c'est que les bijoux, j'emmènerai que les boîtes et je les ouvrirai à l'hôtel et puis c'est tout. Hein. Alors là, c'est une grande et c'est une marron. Et c'est bâton de cannelle. Bâton de cannelle. Sans grande surprise, hein. C'est discret, ça sent pas trop fort la cannelle. C'est discret quand même. Alors, on a en note de tête de la cardamone, du clou de girofle, en note de cœur, bien évidemment, du bâton de cannelle, hein, et en note de fond de feuilles de laurier et du bois de cèdre. Oui, effectivement, maintenant, quand j'ai vu qu'il y avait du laurier, effectivement, oui, ça sent le laurier. Donc on va la brûler ensemble et j'ai oublié de vous dire aujourd'hui, donc je vais faire le tirage, mais sur Instagram, du concours du lot des 6 ustensiles. Je vais peut-être me relever pour vous parler, ce sera plus poli.
Je vais faire le tirage du lot, vous savez, des 6 ustensiles de cuisson du air fryer, le K10, celui qui a un seul tiroir. Faut que je fasse le tirage aujourd'hui, mais la participation c'était sur Instagram. Donc quand vous verrez cette vidéo, le tirage aura eu lieu la veille, quoi. Allez, on va faire brûler le bâton de cannelle. Donc, je vous montre mon assiette de ce midi, du saumon cuit à la vapeur, du riz, un peu de brocoli cuit à la vapeur. Et dessus, j'ai mis des oignons frits avec de la sauce soja sucrée. Nous, on adore ça. Bon appétit! Alors, on se retrouve dans ma pièce à ongles. Donc, dans un premier temps, je vais retirer toute l'ancienne pose. Et puis, parce que là, vous voyez, j'ai mon bout d'ongle qui a cassé. J'ai dû taper sans m'en rendre compte. Et puis bon, bah, y a la repousse, quoi. C'est pas joli, joli. Allez, je baisse le son parce que ça va faire du bruit. Et on est parti. Alors, voilà le résultat, j'ai tout enlevé parce que je voulais retrouver une base claire en fait, je voulais plus de base rose. Donc là, j'ai tout enlevé. Ce que je vais faire, c'est que je vais désinfecter mes ongles. Voilà, je prends la solution antiseptique de chez Ongles 24. Là. Donc là, ce que je vais faire, c'est à la lime, c'est refaire mes parallèles, remettre tout à la même longueur, etc. Et puis après, ben, je referai une construction. Alors, je pense pas avoir le temps de faire ma déco de Noël parce qu'il y a match tout à l'heure. Là, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 14h40. Il faut que je me dépêche. Je vais déjà faire ma construction. Et puis, déjà pour aujourd'hui, ce sera bien. Et je ferai mes ongles de Noël ben, en revenant maintenant. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai terminé de faire mes deux mains en construction. Le match a démarré. Je ne sais pas si vous entendez en bas. Donc, je vais tout laisser en plan. Je vais juste emmener mes deux limes et je vais faire ma finition en bas en regardant la télé. Bon, ça va. J'ai raté qu'une minute de match. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, tout est rangé, mon petit bazar que j'avais laissé pour regarder le match. Donc là, je suis revenue, j'ai tout rangé. Maintenant, je vais aller me préparer ma valise pour demain. Bon, j'ai préparé mes affaires. Donc là, j'ai ma tenue pour faire la route. Donc j'ai pris un jean très extensible dans lequel je suis vraiment à l'aise. Avec un collant parce qu'il fait frais. Un pull.
Je reprends un autre jean au cas où on est de la flotte ou quoi et que je ne reste pas avec un jean mouillé. Donc j'aurai un deuxième jean avec un sweat et un pull pour mettre en dessous parce qu'ils annoncent quand même du gros froid. Un pyjama normal, des sous-vêtements et puis une robe en troisième tenue avec un legging. Voilà, donc ma valise est là. Je vais tout mettre dedans. Bon, nous voilà remis de nos émotions. On va s'occuper du repas de ce soir. Donc, je vais faire du poulet à la crème et avec des champignons. Et puis, il reste, j'avais fait trop de riz à midi, donc je crois que je vais faire ça. Je vais faire avec des pâtes, mais je crois que je vais faire avec le riz qui reste. Donc, je vais couper mes deux escalopes en petits morceaux et je vais les faire revenir à la poêle. Alors, voilà mon assiette pour ce soir. Un petit sauté de poulet avec des champignons et de la crème et un petit peu de riz de ce qui restait d'Amélie. Bon appétit! Alors, je me suis remise de mes émotions avec ce match que j'en avais oublié de faire mon tirage pour remporter le lot de 6 ustensiles de cuisson pour le K10. Donc, bon, on va procéder maintenant au tirage. Donc, les noms sont dans le petit bol. Alors, au hasard, Balthazar, et c'est Karademomiko, Karademomiko qui remporte ce lot. Donc, bah, je vais la contacter et puis lui dire qu'elle m'envoie son adresse, enfin, surtout l'adresse de son point relais. Voilà, bah, désolée pour les autres qui ont participé, qui n'ont pas gagné, peut-être une prochaine fois. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, à plus tard. Alors, on se retrouve après que la pression soit bien retombée. Le match a été, mais haletant. À la première partie, bon, on a perdu un peu espoir, mais à la deuxième mi-temps, on a repris espoir. Et que de rebondissements, moi j'en pouvais plus là. J'ai cru vraiment que j'allais avoir une crise cardiaque à la fin. Il était temps que ça s'arrête. Mais bon, quel match, mon Dieu, quel match. Bon, on n'a pas gagné, mais ils se sont vraiment, vraiment bien défendus. Quand ils se sont réveillés après, c'était extraordinaire. À tel point que j'en avais mal à la tête. J'étais obligée de me préparer un Doliprane. Et je faisais à manger et je me suis dit, mais j'ai oublié de faire le tirage pour le lot ulténique. Donc du coup, bah, je l'ai fait vite fait. J'ai prévenu la gagnante qui m'a remerciée, qui m'a donné ses coordonnées et tout. Je suis vraiment très contente pour elle. Si tu passes par ici, ma belle, bravo. Et merci de me suivre et de suivre Ulténique France, bien sûr. Donc là, on fait tomber, on relâche la pression. Je me suis préparé ma petite tisane rhubarbe à papa, toujours accompagnée de mon After Eight Mojito. Ça sent très bon. Et puis, je voulais juste vous préciser que je pars demain, comme je vous ai dit, on part en amoureux. C'est une box, vous savez, 3 jours, 2 nuits qui nous a été offert par nos enfants. Donc on va en profiter pour partir puis décompresser. Donc je continue de faire mes vlogs tous les jours, hein, on est presque arrivé à la fin.
Alors, je vais être dépendante là-bas du... Comment ? Du débit. Moi, ici, j'ai la fibre, donc ce qui fait que je peux poster tous les soirs ma vidéo, c'est assez vite. Maintenant, je ne sais pas, à l'hôtel, si le débit Internet... On verra. Alors, si je peux, bien évidemment, vous aurez une vidéo tous les soirs. Ça, je vous montrerai un petit peu ce qu'on a fait pendant ces 3 jours. Et sinon, en revenant, je vous ferai un vlog sur les 3 jours, quoi, sur le 19, 20, 21. Ça, c'est après. Moi, je suis tributaire de la bande passante. J'y suis pour rien, malheureusement. Hein. Je ferai mon possible, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager. Et puis nous, on se dit à demain pour la suite de ce Vlogmas. Bye bye!